cet enfoiré est de retour. Ouais, moi non plus, je pensais pas le revoir. Ça fait 7 ans. Tu es toujours contrarié qu'il t'ait quasi battu. Je t'emmerde. J'ai rien dit. Les choses ont beaucoup changé depuis qu'il a quitté la ville. Absolument. Je dois faire passer le message de qui est vraiment aux commandes maintenant. Te voilà. Tu vas vite regretter d'être rentré. Tu n'es plus le bienvenu ici-bas. Tout le monde sait que tu es périmé. Allume la télé. Caméra en place. Antenne dans 3, 2... L'émission commence et nous vous informons qu'un certain has-been a été vu en train de gambader dans les rues après cette temps d'absence. Qu'est-ce qu'il vous aurait manqué? Avions-nous seulement marqué plus d'informations après cet énoncé? Donc le démon de la radio est revenu. Mais que peut-il bien faire dans nos rues? Qu'est-ce que ça change pour vos familles? Pas d'inquiétude, j'ai de bonnes nouvelles. C'est un perdant, cette fois-ci. Je ne voudrais pas être hostile, mais ce démon est un raté. Vous pouvez me faire confiance, voler mon public, impossible. Son blabla n'a plus aucune cible, ce n'est qu'une voix qui parasite. Un vieux bruit de fond qui crépite. Qu'il reparte en vacances et vite. Il devrait prendre la fuite. Dites adieu à la radio, nous on préfère la vidéo. On veut du son et des images en enfer. Depuis qu'il a foutu le camp, putain ce qu'on est bien maintenant. Salutations, quel plaisir de vous distraire. Vous avez longtemps réclamé un média stylé qui vous propose de la qualité, écoutez-moi. C'est quoi cette vieille voix? Plutôt qu'un de ces médiocres petits shows télé putassiers. Vox est-il ringard ou juste un tocard? A-t-il vraiment trouvé sa place? Qui intéresse-t-il? Toi, t'es inutile. Chaque jour, il tente un nouveau format. Mais moi, je suis le futur. Lui, c'est la merde qui vient avant ça. Vox est-il indispensable ou bien tout juste passable? Son image et sa voix me donnent la migraine. J'ai la haine. Et il faut que vous sachiez qu'il me voulait à ses côtés. De quoi? J'ai refusé, il s'est vexé, qu'elle voulait. Espèce de vieux connard, je vais te faire souffrir. Oh oh, yeah. La télé est en train de frire. Tu vas crever. J'ai bien peur que la connexion ne soit brouillée. Laissez-moi rappelez simplement qui je suis, car ma voix est votre amie. Vox va regretter d'avoir joué, on va se régaler. C'est merde.